allemand au lati. Et si de qu'on achetait une forme, et si pour la combattre là, et qu'on est à ma coque en abysso, pour la combattre la Congo. Yogani! Ouais! Yogani! Ouais! N'ayez plus son d'un papier à Zalite. Et c'est le commandement. Soudain ma mère à la gâte. Et j'ai le commandement. Commandant suprême au Kiambo. A Tindingae. Si qu'on a commandé Bidou. Yokani. Mondi Biambo. Amis téléspectateurs, web téléspectateurs, bonsoir. Une fois de plus, nous allons nous retrouver avec celui qui a fait, qui a défrayé la chronique, avec certaines révélations qu'il a pu faire sur la RDC. Nous avons avec nous M. Dieudonné qui va se présenter de lui-même pour nous expliquer brièvement en deux minutes qui il est, au fait, qu'est-ce qu'il a fait en RDC, qu'est-ce qu'il a été. Il a été militaire, bien sûr. Alors, on le saura. Dans le service des renseignements, il a fait un travail formidable. Il va nous parler de général qui vient d'être nommé pour la guerre dans l'Est, le général Olenga. Il nous parlera aussi de tout ce qui se passe actuellement à Kampala et comment le Rwandais veulent s'accaparer de l'Est de la RDC. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Roger. Je me nomme Mbiye Chimanga, Dieudonné, comme je l'ai toujours dit, alias Lumumba. Les Congolais m'ont dénommé comme ça, vu mon idéologie. Je suis issu d'une famille de 10 personnes. Je fais l'école de formation d'officier, le Fokananga, sciences sociales. En 1994, j'ai dû prendre contact avec l'AFDEL, comme je l'ai toujours dit, aveuglément. Et contact avec le Moufou, le traître qui est présent, vivant aujourd'hui. Et là où je suis allé rencontrer le James Kabarebe, au commandement de l'état-major général, et en fait, du commandement des opérations. Et le général Moufou, c'est lui qui a été abattu l'année dernière par empoisonnement. Vit sa position aussi contre cette occupation dont nous sommes victimes aujourd'hui. Et, bref, je peux dire que je suis l'un des précurseurs de l'AFDEL, à côté ensemble avec les Moufou et consorts. Et même si personne n'en parle aujourd'hui, je pense que l'histoire en parlera, parce que Moufou a mon syllabus, mais si je ne suis plus au Congo, je pense que j'ai toujours demandé qu'ils puissent en donner aux journalistes pour qu'ils puissent au moins essayer de publier ce que j'ai fait pour l'AFDEL. Alors, le général Moukouété qui vient d'être abattu, je rebondis un peu, je prends la balle au bon, qui vient d'être abattu dans le quartier jamaïque à Kitambo. Connaissez-vous ce général? Bon, prendre son nom, ça me dit quelque chose, qu'il serait issu de l'effort.
Je pense que ce sont des marionnettes, d'après moi, qui ont été Rwandais Tutsi, qui ont été infiltrés par le Tutsi Power. Je l'ai toujours expliqué que le Tutsi Power tire son origine chez l'organisation qu'on appelle American Wildlife. American Wildlife, qui créera le club que nous appelons anglo-saxon. Alors cette organisation a été créée pour essayer d'infiltrer, je peux vous le dire, d'après ce que nous avons appris depuis 1965, oui. Cette initiative a été mise en place par le Pentagone, par la Maison Blanche, depuis 1965, visant à déstabiliser notre pays. Comment ça a été mis en place? Je pense que la Maison Blanche, la Pentagone, etc., a pris l'initiative en instruisant la CIA, CIA c'est intelligence, le service secret américain, comme objectif de chercher, de voir, de mettre des stratégies comment déstabiliser M. Patrice Emery Lumumba, qui était issu du Parlement, issu du peuple congolais à l'époque. Et la CIA a mis la stratégie en place en collaboration avec nos anciens colonisateurs d'hier, le Belge. Et une parenthèse, j'ai toujours repris, réitéré, dit aux Allemands que vous nous aviez rendu un très mauvais service parce que moi, personnellement, je suis du Kassai. Il y a eu Wiesmann et Pogge qui ont dû piétiner mon village à moi sur les Kassai. Je suis du Kassai oriental, mais oriental, occidental, ce sont mes deux provinces, je suis de là. Alors les Pogge et Wiesmann sont allemands, ils sont arrivés chez moi. Et à Mikalaï, en provenance de l'Angola, partout, où après, au moment donné, ils ont dû céder notre pays aux Belges. Quand ils ont appelé chancelier Bismarck, le Parlement allemand a essayé de décliner l'offre et la Belgique avait financé. Et c'est comme ça les Wiesmann et Pogge ont dû céder notre pays. Et j'ai toujours dit, Congo, poste d'occupation, héritier d'un passé colonial, interpellé aujourd'hui par un avenir menaçant. Bon, alors c'est comme ça que les Américains ont dû mettre la stratégie en place, voilà, en préparant M. Mobutu. M. Mobutu, vous devez maintenant essayer de diriger ce pays. En dirigeant ce pays, la CIA a dissous le Parlement en éjectant beaucoup d'argent aux parlementaires et à M. Mobutu. Et ils ont maintenant préparé l'armée américaine en finançant l'armement et tout pour dire à Mobutu, vous devez maintenant être fort pour essayer de faire face aux troupes de Lumumba. Alors à ce moment-là, c'était une stratégie qu'ils mettaient en place pour voir comment chercher à mettre ce qui s'appelle aujourd'hui au Rwanda le conflit Tutsi Hutu. Et l'histoire est allée plus loin. Je pense que ça n'a pas marché du côté... Ils ont voulu créer ce qu'on appelle conflit ethnique entre les Congolais. Mais cela n'a pas marché. C'est par là qu'ils nous ont infiltré les batteurs Barthélemy Bisengimana. Chaque Congolais connaît l'histoire du Congo, sa version. Mais M. Roger, j'ai dit qu'on a, quand on touche l'âme de quelqu'un, on touche sa culture, c'est son devenir qui est hypothéqué. On va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez fait votre prélude par rapport à l'historique de ce que vous connaissez, de ce que nous sommes en train de vivre en RDC. Ma question est la suivante. Il y a un chef d'état-major qui vient d'être nommé pour l'est de la RDC. Vous savez, la M23 a envahi Goma et s'y trouve à 3 km de Goma. En fait, en réalité, ces gens-là ne sont jamais partis. Ils sont reconvertis en civils. Ils ont jeté les habits militaires pour se promener dans la ville afin d'avoir les informations précises les jours où vous attaquerez vraiment bien la ville. Connaissez-vous le nouveau général Olenga qui est en place pour repousser en fait ces assaillants? Monsieur Bongos, j'essaie au moins de réitérer un tout petit peu le propos que j'avais dit tout à l'heure là. J'ai essayé de classer excusez-moi, chaque fois moi je pointe toujours les Clinton, je meurs avec Clinton, avec les Susan Rice, avec le Richard Wilson. Comment ils ont mis cette carte en place pour mettre en place ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Les Olenga, ensemble avec les Moufou,
Parce que Moufou est là, dans l'ombre. C'est lui le conseiller principal de Kanam, le Congolais traître, principal de monsieur, tout ça, qui m'avait promis la mort. Monsieur François Olenga, actuellement, ancien exilé de l'Allemagne, à Cologne, excusez-moi, j'ai prononcé en allemand, à Cologne. Et monsieur François Olenga, lors de l'entrée de l'AFDEL, monsieur François Olenga fut le premier aide du camp du président Laurent Désiré Kabila. Et je pense que j'ai un mémo que j'avais dû adresser au président de la République. Dans l'armée, le mémo n'existait pas, mais j'avais dû poser cela pour marcher à l'encontre du règlement militaire. Et cela m'a posé de blâme auprès de la hiérarchie, mais je me disais que il n'y avait pas de la hiérarchie en dehors du musée Laurent Kabila. Oui. Et monsieur Olenga, comment moi je me suis retrouvé avec monsieur Olenga? Tout d'abord, quand moi je suis arrivé dans l'AFDEL, j'avais rencontré James Kabarebe, l'actuel chef d'état-major rwandais, qui est le ministre de la Défense. Oui. Et j'avais rencontré monsieur Moufou en question, c'est le Patrick Goga est là, médecin et grand homme au Rwanda. Et c'est le Patrick Goga qui m'avait introduit auprès de James Kabarebe dans l'état-major du commandement de l'AFDEL pour le renversement du maréchal Mobutu. Alors ils m'ont posé la question, je leur ai dit vraiment si ce que vous êtes en train de faire, si réellement c'est pour l'intérêt de notre mère patrie, et vous êtes la bienvenue, les Aïrois ne vous oublieront jamais. On est venu, ce n'est pas pour vous apporter plus, mais bien au contraire, c'est pour aider notre mère patrie sur tous ces pays. Et comme je me suis toujours souvenu, avant de venir de Olenga, il y a un général britannique, général Saint-Cyr, qui disait que l'armée britannique, c'est une mosaïque d'hommes dans un aquarium. Alors on dit le militaire est celui qui agit de manière limitée pour défendre une cause pour la mère, sa mère patrie. Alors quand j'avais appris l'histoire de l'AFDEL, j'ai dit vraiment, j'ai essayé de sensibiliser certains amis discrètement et je me suis retrouvé dans l'AFDEL. Et c'est par là qu'on a fait connaissance avec le Moufou, il est encore vivant. Tout ça. Alors Léon Olenga, je suis venu maintenant, on m'a présenté chez Olenga à partir de Kinshasa au Palais de la Nation. Alors comment on s'est vu avec François Olenga? Alors une fois renversé le régime de Monsieur Mobutu, et je pense que j'avais présenté à travers mon mémo, il y avait maintenant l'organigramme. J'avais dit que j'aimerais parler avec son Excellence Monsieur Mosé Laurent Désiré Kabila pour essayer de lui parler. C'est que le mal à venir, c'est que nous avons peur face à l'occupation, entre guillemets, qui existe aujourd'hui ici dans notre pays. Alors ils m'ont dit, j'essaie de faire l'organigramme de l'armée. Et c'est là où j'ai fait connaissance avec Olenga. J'en arrive. J'ai fait la présidence de la République. La présidence de la République, Moussé Kabila, le chef suprême des forces armées congolaises. Et après lui, il y a son aide du camp. Il dit qu'après l'un des traîtres qui est aujourd'hui à Makala, que Dieu me pardonne, et c'est lui qui jouait la liaison entre la présidence de la République et l'armée congolaise. Alors maintenant, nous avons le ministère de la Défense. Le ministère de la Défense fut Moussé Kabila lui-même, personnellement, et le Dieudonné Kayembe. Alors avant Eddy Kapent, c'était Olenga. Je vais vous dire comment Olenga s'était retrouvé premier aide du camp de Moussé Laurent Désiré Kabila. Mais avant d'en arriver, vous répondre à Olenga, je vous fais d'abord un petit schéma comment je me suis retrouvé là-bas. Alors j'ai dressé maintenant mon organigramme de forces armées congolaises, de Moussé Laurent Désiré Kabila, ministre de la Défense, et son assistant ou adjoint, Monsieur Dieudonné Kayembe, le recrut aussi de l'organisation Tutti Power, mais congolais. Et après, il y a eu l'état-major général. J'ai dit au chef d'état-major particulier, au directeur politique de Laurent Kabila, et moitié, je lui ai dit, maintenant, l'état-major général qui devrait maintenant aider le chef d'état à entrer en contact au moment voulu, au moment opportun, de renseignements nécessaires de notre pays, mais voilà que l'état-major général est entre les mains de l'organisation Tutti Power, et entre les mains des épiphénomènes Tutti. Il m'a dit, qui sont-ils? J'ai rigolé et j'ai coulé les larmes des crocodiles. J'ai dit, voilà,
Le numéro 1, c'est le James Kabaré. Et puis Mosé, quand il tient ses discours, Mosé Laurent Kabila, il dit toujours que James Kabaré est du sud Kivu. Nous, nous sommes en train de pleurer. Et Mosé est en train de présenter, maintenant le numéro 2, ce fut Kanambe, alias Joseph Kabila, c'est lui qui est en place. Et numéro 2, et puis il y a le Faustin Mounené, qui est aujourd'hui aussi, qui a une même position que moi. Et après, il y a une suite là de Félix Ilunga, qui était chargé de l'armée congolaise auprès de l'ONU, un traître de son état, à qui on s'est changé à maître prise de parole avec lui. Et ensuite, Olenga a été nommé, ou fut nommé chef d'état-major, sous-chef d'état-major général, adjoint chargé de la logistique approvisionnement militaire. Alors maintenant, en démontrant ces schémas, j'ai démontré à moitié, j'ai dit, mon problème c'est de parler sérieusement à Mosé, c'est-à-dire l'inconvénient de ce comment nous sommes entourés aujourd'hui. Et puis je vais vous démontrer qu'on puisse au moins faire au plus vite que possible pour recruter tous les ex-phases experts dans ces domaines congolais. Et Olenga m'a appelé dans son bureau. Il m'a convoqué le jour suivant. Je suis allé à l'état-major général. En arrivant à l'état-major général, Olenga m'a reçu, il a dit, tout d'abord personnellement, j'ai peur de toi. Tu es un jeune, mais j'ai peur de toi, j'ai dit en bon, et j'aimerais que tu m'aides. J'ai dit, vous aidez comment? Olenga m'a dit, vous savez que moi j'ai vécu longtemps en exil. Et j'ai demandé, vous étiez où? Il a dit, j'ai vécu en Allemagne. Depuis longtemps, nous étions allés, on s'est retrouvés à l'Europe de l'Est, et puis on nous a mis dans l'avion pour retourner à Kinshasa, et ainsi de suite. On a dit, Mobutu, il veut nous tuer, c'est par là, on s'est retrouvés en Allemagne, et il m'a dit comment il est allé au Moyen-Orient, et ainsi de suite. Alors bref, il m'a expliqué, il a dit, voilà, je gère la logistique des forces armées congolaises. Alors, j'ai besoin des gens de pouvoir me faciliter, qu'on sache le nombre de différents fronts, de différents postes stratégiques, qu'on sache le nombre de différents coins ici à Kinshasa, et qu'on sache encore coordonner toutes les activités des responsables militaires qui sont chargés de gérer ces sites. J'ai dit, félicitations, merci pour tout, je dois vous aider. J'ai dit, mais moi, je suis à temps plein avec mon rôle de renseignement là-bas et je dois retourner encore en Bandaka. Et il m'a dit, d'après lui, il n'aimerait pas que je rentre en Bandaka et il serait mieux que j'aie que je sois ordonné là sur place à Kinshasa. Je dis, mais où? Ça marchait les mots, j'avais dit à Olenga, j'aurais voulu gérer les renseignements à l'état-major général. J'avais dit ça à Olenga. Alors maintenant, j'ai commencé maintenant à découvrir Olenga. Mon papa, à moi, c'est lui qui m'a mis au monde, à ex-phase, à Kitona. Ils étaient allés au centre idéologique de Kitona. Alors Kanambe et Olenga, ils étaient comme ça. Moi, j'ai essayé de m'habituer un peu à beaucoup à Kanambe chez Olenga. Parce que Kanambe a appelé François Olenga Mosé. Alors, à ce moment-là, Olenga n'était plus chef aide du camp de Kabila, Laurent Kabila. Il était devenu maintenant chef d'état-major chargé de la logistique et après sous-chef d'état-major général adjoint chargé de la logistique parce que l'armée congolaise était dirigée maintenant par un collège des officiers. Alors Olenga jouait le rôle de la logistique, Olenga jouait le rôle des renseignements, Olenga coordonnait avec Iraki Zagericho. Iraki Zagericho fut mon ami Touti, patron de la DCA, j'ai toujours réitéré, c'est la DCA, c'est la direction crime, enquête et accusation de la DEMIAP. DEMIAP a dû remplacer l'ex-SARM. SARM, c'est le service d'action des renseignements militaires sous Mobutu, actuellement remplacé par la DEMIAP, la détection militaire des activités antipatriques.
Olenga m'a demandé à moi, il a dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas lieu que vous puissiez m'aider à infiltrer, de votre manière, à infiltrer bien, bien Sikatenda, le patron des renseignements. Comme vous vous entendez un peu avec lui, de m'aider à infiltrer les gens à tout, chaque niveau ici. Et c'est Olenga qui m'a même motivé à savoir plus sur Mova Sakani, qui est actuellement ministre, en fait, ambassadeur ici à Bruxelles. Mova a déjà dit... Mova a alors fut nommé ministre de Transport et Communication. Alors c'est par là, maintenant, monsieur Olenga me chargera maintenant de jouer ce rôle. Je ne savais pas l'agenda caché de Olenga. Parce que si vous suivez Olenga, Olenga a été arrêté à répétition, à maintes reprises. J'ai demandé tout d'abord, maintenant tous les ex-phases qui étaient à Kitona étaient en train d'être exterminés, ramenés dans leur base future à Goma, base qui a été mise en place par une stratégie Clinton. Je pense que vous aviez suivi quand, et en 98 ou 98, quand le Bas-Congo devrait tomber vers Banana et Kitona, il y a eu un navire des Américains rempli d'armement et tout ça pour renforcer l'alliance rwando-ougandaise. Et c'était réquisitionné par le cartel anglo-saxon. Alors maintenant, c'est comme ça que Olenga m'avait confié cette mission. Maintenant, l'agenda caché de Olenga, c'était quoi? C'était le préparatif des renversements de M. Laurent Désiré Kabila, M. Roger Bongos. Alors, M. Olenga a été préparé par les Tutsi Power. Parce que Olenga est un Tutsi rwandais, aujourd'hui aussi officier supérieur à Kigali, ensemble avec un certain Jacques Nzinza, parce que je risque d'oublier une petite parenthèse, Jacques Nzinza, c'est Jacques Nzinza qui avait tiré sur Ngandou Kisase, qui fut le patron de la premier mouvement de résistance de l'AFDEL, qui avait dans sa tête l'idée de, en tant que Congolais, et je pense qu'on avait joué la carte, il est aujourd'hui l'un des responsables des renseignements militaires à Kigali, et que aucun gouvernement, en fait, le gouvernement congolais, s'il nous appartenait, n'a jamais réclamé que Jacques Nzinza soit extradé ou recherché non plus. Mais dans notre agenda, nous, en tant que Congolais, même vous, là, dites pas, vous êtes Congolais, et il faut prendre bonne note, Jacques Nzinza est là. C'est lui qui avait tiré sur notre frère Ngandou Kisase, André Ngandou Kisase. Bon, alors maintenant, c'est comme ça que Olenga a joué à... Bon, Olenga était préparé pour ça. Maintenant, en préparant ce coup, c'était pour le renversement de Laurent Désiré Kabila. Et le plan était mis en place à partir de Kigali. Kigali, c'est-à-dire Kagame et Museveni. Monsieur Bongos, vous savez que du point de vue renseignement ou armé, c'est Museveni qui gère les affaires des Américains. Et côté politique, c'est Kagame. Et vous aviez... il y a aujourd'hui, et il y a le vol, pas aujourd'hui, ça date de longtemps, mais les Congolais sont en train de le découvrir aujourd'hui. Pilatus 12, ce sont des aviations en fait, américaines, de type militaire, mais déguisées en civil. Alors ça porte ça, tous les systèmes des temps, pour essayer de récolter les renseignements de parlement, surtout en Afrique. Alors, dernièrement, M. Obama, avec son Sénat, ils ont arrêté à louer un gros budget pour essayer de renforcer l'arsenal rwando-ougandais en Ouganda. Et sous prétexte qu'ils vont traquer Kony. Il y a l'Africom. Je vais vous conclure pour avec Olenga, mais il y a l'Africom. L'Africom, vous dites que ça appartient à l'Afrique. Mais je pense que j'ai servi de manière indirecte l'Africom, parce que moi j'ai servi l'armée malienne avec les renseignements des casques bleus maliens qui devraient partir au Congo
à Bamako, Mali, lors des élections d'Amadou Toumani Touré, dans la boîte de renseignement militaire malien. Ils sont vivants, ils sont là. Et je leur ai dit, quand vous partez dans notre pays, bienvenue, nous nous sommes aujourd'hui en exil. Et au cas où rien ne va marcher, et par là, s'il y a lieu d'essayer un peu d'interpeller, de demander au Conseil de sécurité de l'ONU de mettre en place ce qu'on appelle chapitre 7. Chapitre 7, c'est-à-dire, on dit le règlement pacifique ont échoué, les négociations ont échoué, maintenant le pays de l'Axe, maintenant les Américains, l'Afrique doit mettre en place, recommander à ces différentes régions. Maintenant, nous devons chercher maintenant à demander au Conseil de sécurité de l'ONU, avec le Dieu américain, excusez-moi, le Dieu américain, les Américains doivent maintenant nous aider comme partout. Là où ils n'ont pas d'allieux, les Américains ont le système de mettre en place un système militaire, c'est-à-dire pour chercher à mettre à côté, à l'occupation, au système qui ne leur plaît pas. Et je pense que ce qui va se passer dans notre pays, le Rwanda et les différents pays africains, des nations, vont essayer de nous aider dans ce sens-là. Là, c'était qu'une parenthèse. Maintenant, François Olenga, mon papa fut nommé secrétaire général de la logistique des forces armées congolaises. Alors, en nommant notre feu papa secrétaire de la justice de forces armées congolaises, il n'est plus vivant. Il a été abattu, exécuté depuis 1999. Dans la nuit du 23 au 24 à 1h du matin. 24 quoi? 24 novembre 99 sur avenue Loulik numéro 5 au quartier Kingabwa Yaoundé. Jusqu'à aujourd'hui, cet endroit, il y a des traces, personne n'y approche. Et mon papa a été nommé secrétaire général de la logistique et approvisionnement militaire. Le papa a reçu dans son agenda, le papa devrait effectuer des missions dans des différents fronts. À ce moment-là, moi, je suis déjà comme l'un des conseillers privés de M. Olenga, ici, à Matio. Où? À Kinshasa. À Kinshasa. Voilà. Alors, quand maintenant le papa recevait des missions pour aller dans des différents fronts. Tous ces différents fronts, vous suiviez que chaque fois, les fronts et nos troupes loyalistes ne résistaient pas face aux troupes Tutsi. Vous aviez parlé de M23, les Congolais se lamentent beaucoup. M23, RCD Goma, et ainsi de suite. Moi, je me suis dit, j'ai dit, mais non, M23. Comme il y a un grand homme là, lors de la création de l'ONU, lors de la disparition de la Société des Nations des Unies, qui disait « Cette institution est si vraisemblable que la Société des Nations et pourra disparaître un jour, mais revenir sous une autre forme. » Alors, j'ai dit « Non, non. » J'ai dit « L'AFDEL, l'AFDEL, ça sont des fruits de l'AFDEL. M23, RCD Goma, Moutebousi. Moutebousi est mon collègue, non? Nous sommes entrés dans l'armée avec Moutebousi. Qui est recherché par le cabinet pénal international. Après Moutebousi, c'était les Bosco Tangana. J'ai dit non. Lors de ma précédente interview, j'avais parlé de Amefi, American Mineral Fields. Tout cela sont issus de Bill Clinton. Tout à fait. Tous ceux-là ont dû tirer leur origine dans ce qu'on appelle American Wife Life. American Wife Life, là, c'est une organisation. Et là, il y a plusieurs collabos, même congolais, qui sont recrutés, mais de manière indirecte par l'entremise de Tutsi Power, parce qu'ils ne peuvent jamais atteindre ce niveau. Alors, la question maintenant, je rentre dans le vif du sujet. Oui. Ma question est simple. Oui. Est-il collabo ou pas Olenga? Oui. Mais j'ai dit que Olenga, c'est un collabo. Monsieur Bongos, je vous l'ai dit sincèrement. Si les Congos se retrouvent aujourd'hui, je pense que sur la liste, vous êtes journaliste d'investigation. J'aurais voulu que demain, vous ayez aussi vraiment, vous serez mieux préparé, mieux outillé là-dessus avec la liste des Congolais. Parce que je ne mâche pas les mots, je ne me cache pas. Olenga doit me suivre. Il est ressortissant de l'Allemagne. Il parle mieux et couramment l'allemand. Comme vous d'ailleurs. Comme moi. J'ai vu aussi en Allemagne, comme lui. Il a beaucoup d'argent, mais j'ai aussi un soutien, un important soutien, comme lui,
Et M. François Olenga est collabo. M. François Olenga, j'ai travaillé avec Olenga. C'est lui qui a, le jour de l'assassinat de mon papa, le coup a été préparé à Biza, antenne, dans la résidence de Lukusa, l'ancien PDG de Lunatra, tout ça, jusqu'à ce qu'ils ont préparé Eric Lenge, un certain Massassi. Et Massassi, quelques jours après l'exécution de notre feu papa, Olenga a éliminé Massassi, parce que c'est Massassi. Massassi qui était avec Mouzé. Mouzé et Massassi, c'est lui qui avait tiré sur mon père. Le papa, Massassi. Et le frère à Olenga encore, Moutetela, pour effacer les traces. Alors, le papa a effectué plusieurs voyages dans les différents fronts de notre pays. Lors de la création de actuellement M23, de la RCD Goma, j'avais arrêté de procéder à l'arrestation de Ondekane, Jean-Pierre Ondekane. Jean-Pierre Ondekane fut arrêté une fois à la demi-heure. Il est vivant à Kinshasa, aujourd'hui anéanti. On a dit, vous êtes recruté aujourd'hui auprès de Tutti Power. Mais demain, vous allez en regretter. Certes, ils ont leur argent, mais non, c'est l'argent sale. Et François, M. Olenga, c'est lui qui a dû recruter les Ondekane. C'est lui qui a recruté les tout plusieurs éléments qui devraient renverser M. Laurent Désiré Kabila. Alors, le cinéma qui fait dans l'Est de la RDC, voyant autour des militaires, donnant la poigne aux militaires, donnant un peu l'élan aux militaires d'aller se battre au front, c'est pour les envoyer dans l'abattoir? C'est pour les envoyer dans l'abattoir, c'est une distraction parce que, excusez-moi si je cite mon fait papa aujourd'hui, il sera classé demain, mais j'aurais voulu que parmi le monument qui sera adressé aux martyrs, le nom de mon papa y figure. C'est pas moi qui va réclamer, je pense que ce sont les Congolais qui vont se souvenir, ils iront dans les archives. Et je pense que le papa est rentré à Kinshasa pour rencontrer les Kanambe, non? Pour rencontrer les Dikapent, leur faire part de ce que Olenga faisait. Et le papa en faisant cela, on a dit non, Kanambe et Olenga sont ensemble. Papa a effectué les voyages à Kigali, non, à le compte de Kanambe et Olenga. Et c'était pour renforcer. James Kabarebe était déjà à Kigali. Le papa est arrivé avec des dossiers, des documents. Monsieur Roger Bongos, on avait parlé de l'assassinat de Massasso. Les gens parlent souvent de Kanambe, cite Kanambe, mais Olenga est oublié, est effacé. Or, le plan que Kabarebe avait mis en place pour éliminer Massasso, parce que le seul obstacle pour eux, avant d'atteindre Laurent Kabila, c'était Massasso. Alors maintenant, le plan qui a été mis en place par Kabarebe et Kagame, y compris la CIA, et ils ont monté un faux document pour monter le plan que bon, Massasso a préparé un coup pour renversement de M. Kabila, ainsi de suite. C'est là qui a dû accélérer l'assassinat de M. Massasso. Tout cela, c'était pour que le terrain reste déjà vide. Et maintenant, le feu papa est arrivé à Kigali. Il a rencontré le Kabarebe. Le papa ne connaissait pas un certain Fred Kalissa. Kalissa sont des argentiers, des grands banquiers. Ce sont eux qui ont dû financer l'AFDEL. Ce sont eux qui ont dû financer l'Américain Car Mineral Field. Une parenthèse là, rapidement. Je pense que moi, personnellement, je vous ai suivi dernièrement lors d'une intervention. Olenga, je vais conclure parce que ça, c'est très, très, oui, très c'est important, les gens qui puissent savoir qui est Olenga. Vous savez, vous aviez évoqué plusieurs multinationales, mais j'aurais voulu que nous puissions encore essayer beaucoup plus de préciser aux Congolais deux ou trois, c'est-à-dire les gens qui chapeautent ces multis-là. Et c'est pourquoi chaque fois j'ai toujours cité les Clinton. Et vous savez, ces multis commencent à créer le multinational pétrolière, multinational pharmaceutique, technologique, ainsi de suite, et militaro-industriel. Alors c'était très puissant. Très puissantes ces industries. Et là, mes filles, jouent un très grand rôle dans notre pays. Alors maintenant, les Olenga tous œuvrent pour cet organisme.
Maintenant, le papa, quand il est arrivé avec ce message à Kinshasa, il a dit, je vais essayer de rencontrer personnellement Laurent Désiré Kabila pour lui en faire part de la trahison dont il est victime de François Olenga, de la part de François Olenga. Kanambe, le Moufou, à qui fut mon collaborateur lors de l'AFTEL, il est vivant là-bas, il a dû contribuer à l'assassinat, à l'empoisonnement de son frère qui avait la même position que moi, Moufou. Et Ndenga, qui était à côté à la résidence de Baramoto. Et le papa est arrivé, il a dit, voilà ce que je suis arrivé. Alors maintenant, le papa effectuait plusieurs voyages dans les différents fronts de notre pays. Et vous aviez entendu à l'époque la chute de Poitou, et ainsi de suite. Kanambe, sorti victorieux à Poitou, ainsi de suite. Olenga, chef d'état, en fait, chargé de la logistique. Sous-chef d'état, chargé de la logistique. C'est lui qui coordonnait ses opérations. Irakiza. Nous étions avec Irakiza, c'est lui, si Laurent Kabila est renversé, il faut renverser en 98, c'est Irakiza qui devrait prendre maintenant le commandement opérationnel de la ville de Kinshasa. Et Irakiza me sollicitait beaucoup, il me disait que je suis constant et j'ai une position et je ne suis pas vraiment, je suis pas flexible face à n'importe quoi. Et le tout-il cherchait à nous corrompre et nous corrompre dans ce sens-là. Et François Olenga maintenant renforçait le front RCD Goma. RCD Goma, chaque fois maintenant, quand le feu papa partait dans le front, ici derrière, coordonné par Olenga et géré par Kanambe lui-même, le feu papa partait maintenant dans le front. En arrivant dans le front, c'est pas les troupes loyalistes qu'il va rencontrer. Il dépose l'avion atterri. Une fois atterri, et directement le feu papa est encerclé. On récupère tout, le papa s'étonne. On dit au papa, on donne au papa comme consigne. Il faut fermer la bouche une fois arrivé sur place à Kinshasa. Et la RCD Goma actuellement est communément appelée M23 avancée. Et tout cela avec le manœuvre de Olenga et notre feu papa. Alors maintenant, quand le feu papa a effectué le tout avant-dernier voyage Zimbabwe et Kigali, c'était avec l'argent en fait beaucoup d'argent de l'état-major général, c'était pour aller corrompre aux mercenaires zimbabwéens et via Kigali tout, il fallait toujours transiter par Kigali. Mais papa s'étonnait, il disait, mais comment tout c'est géré toujours par Kigali? Et s'il n'est pas à Kigali, il doit partir en Ouganda. Et c'est par là, je vous ai dit, quand on parle de Pilatus et tout ça, aujourd'hui, les gens sont surpris. Même nous, on a su ça avant. Et c'est comme ça. Olenga, maintenant, quand le papa revenait, il a dit, je dois chercher à rencontrer Eddie Kapenta. Le centre important, les villes importantes sont en train de tomber entre les mains de la RCD Goma, de Tutsi, mais il y a les Kagame et Kanambe et James Kabaek et Olenga qui gèrent la rébellion ou le renverser, qui cherchent à renverser Laurent Désiré Kabila. Laurent Kabila doit jouer au plus vite que possible pour mettre fin. C'est-à-dire, on a demandé au papa, d'après vous, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on en fasse avec Olenga et Kanambe. J'ai la plainte qui date de, je puis dire, 99, dans mon sac. Et Moreno Campo a la copie, je vous l'ai déjà montré. Olenga, son nom y est. J'ai toujours demandé, j'ai besoin d'arriver sur place. Parce qu'une fois arrivé, c'est que je vous parle aujourd'hui, j'irai même au-delà. Parce que je vais demander d'atterrir sur place à Kinshasa, parce que tout ce que les Olenga ont commis, j'ai toujours parlé du cimetière de Mbandaka. L'Alphonse, le colonel Alphonse, que moi j'avais remplacé au bureau 2 sur le service de renseignement de la 22e brigade à Mbandaka. Mbandaka se situe au nord. J'ai géré, j'ai fait l'intérim de la 22e brigade pendant un temps, et en remplacement de Tutsi, l'ami personnel à Olenga et Alphonse et Kanambe. Alors c'est Olenga, Kanambe qui donnait des instructions à ce que nous puissions empêcher les enquêteurs de l'ONU de ne pas avoir accès aux différents sites là où il y avait les Hutus furent massacrés. Alors maintenant,
Kanakan Olenga a renversé plusieurs coins, plusieurs fronts dans notre pays. Maintenant, le papa, en voulant maintenant en parler, a approché Laurent Désiré Kabila en 1999. Parce que le plan, parce que les Tutsis, on dit que les Tutsis, vraiment, c'est une arme vraiment qui se prépare minutieusement. Les Tutsis que vous voyez, il serait mieux, excusez-moi le terme, il y a des modérés Tutsis, je n'en souviens pas, mais il serait mieux de vivre avec un chien, un serpent plutôt, parce qu'on connaît déjà la position, que de vivre avec un Tutsis, parce que vous êtes tous au courant, je vous ai fait un petit périple de 65, comment les Américains ont filtré les missingements, ainsi de suite, pour arriver à atteindre ce que nous appelons aujourd'hui, et le problème de morcellement de notre pays sera réalisé demain, quand je vous ai évoqué le mot âme, lors de mon introduction, quand on touche à l'âme d'un peuple, on touche à sa culture, on le dépouille sa culture et on est racheté aujourd'hui. Et bref, Olenga, ce sont des gens qui sont recrutés dans le truc, l'organisation de Tutsi Power. Alors, le bureau de Tutsi Power se situe à quel, dans quelle capitale? Parce que je sais, mais je souhaiterais savoir, connaître votre avis. Ah, bon, bah, en tout cas, franchement, je n'ai pas de précision, mais moi, je sais que là où ils puisent leur force, j'avais cité les noms de Arkasan. Arkasan, peut-être je prononce ça, c'est très mal, c'est mot anglais. C'est le village de M. Clinton. Et vous savez qu'aujourd'hui, les Tutsi Power sont des informateurs dans ce qu'on appelle Commonwealth. Commonwealth, là, c'est une organisation anglo-saxonne. Et ça y est, sont ce qu'on appelle intérêt commun. Des Américains et des Anglais, c'est que j'ai toujours dit que les Américains c'est la tête, les Anglais c'est le cœur, et les Canadiens sont les pieds, et les Européens c'est leur marche-pied. Et les Africains, comme Nelson Mandela, là c'est leur domestique. Et le club, je sais que les Tutsi Power sont servis par. L'alliance anglo-saxonne. Donc le bureau se trouve en Capale. Je tiens à vous préciser. Alors, c'est vraiment une bonne information. C'est pour vous dire maintenant, et vous me rappelez maintenant une chose, quand je vous ai dit que l'organisation, la CIA, est à Kampala aujourd'hui. L'Africom est gérée par la CIA. Monsieur Obama a loué un budget dernièrement pour renforcer les troupes rwando-ougandaises. Or, dans l'entretemps, le Congo est occupé. Les marionnettes, parce qu'ils sont trop sûrs, ils ont déjà recruté les gens, les Olenga. Olenga est là. La situation que le Congo traverse aujourd'hui, c'est François Olenga. Vous avez peur qu'il va mourir là-bas et tout ça? Non, non. Ne vous en faites pas. Olenga, c'est comme le mouf en question dont je vous ai parlé. Alors, tous ceux qui se tiennent à Kampala n'appartiennent pas. Ce sont des Olenga qui sont en train de servir. Il y a le frère à Eddie Capende, Marcel, qui fut aussi le boss à l'état-major là-bas dans le domaine des renseignements. J'ai côtoyé aussi directement. Ils sont dans les clubs avec les Olenga là. Alors, monsieur Roger Bungos, Olenga n'est pas seul. Moi, ma peur, ma crainte aujourd'hui, je cite Clinton, je cite les Susan Rice, les Richard Wilson, etc. Et les Clinton qui font la honte de George Washington, qui font la honte des États-Unis d'Amérique, si l'Amérique a trouvé aujourd'hui ses destins, je vous dis, c'est grâce à moi, c'est grâce à vous, Congolais, tels que vous êtes là. Nous sommes les grands frères des Américains. Si l'Amérique en a fait face à l'Empire soviétique, je pense que c'est le Congo. Si l'Amérique est allée plus loin lors de la baille des cochons, je pense que la fierté devrait nous en revenir. Quand un Congolais arrive aux États-Unis, il devrait être considéré comme un héros. Mais voilà qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas considéré, même par les Tutsis, les Libanais, n'en parlons même pas. Alors, c'est pour vous dire que les Tutsis sont très forts, monsieur Roger Bongos. Ce que moi, je voulais seulement dire, j'ai dit, lors la réussite lors d'une occupation n'est pas dit, n'en tient pas compte au nombre des victimes, mais
à l'objectif ou aux objectifs prédéfinis. Et je pense que jusqu'à nos jours, nos adversaires sont en train de... Ils ont peur des Congolais. Ils ont peur de nous. Moi, je croyais que tout ce que nous sommes en train de faire n'avait pas d'impact. Les gens me disaient, Bakoboumayo, on va vous tuer, on va vous faire machin, machin. Mais je suis en train de voir comment, là où nous sommes en train d'en arriver. Alors, j'en appelle surtout à mes compatriotes, filles, garçons. J'ai dit dernièrement lors des élections que la population quinoise est trop jeune. Et en face de moi, je vois même une jeune femme que j'avais laissée vraiment trop petite. Mais aujourd'hui, elle est là, et d'ici là, cadre universitaire, mais sans avenir. Et j'ai dit, nous devons chercher à soutenir une réflexion commune face à notre devenir. Nous sommes en train de grandir, nous sommes en train de vieillir, nous sommes en train de laisser ce monde à petit fait. J'en appelle encore une fois de nouveau à mes compatriotes congolais, la lutte qu'ils ont entreprise, et j'en conclue par le propos chaque fois de l'ancien, un philosophe du 14e siècle des Arabes, Ibn Masoud, j'ai toujours mal prononcé son nom, que mes frères arabes me pardonnent, et qui envoyait toujours le peuple à résister, qui poussait le peuple à résister lorsque ses intérêts sont en danger, parce que quand le peuple, c'est grâce au peuple que celui-là est au pouvoir, qu'ils sont au pouvoir. Mais s'ils ne sont pas écoutés, ils doivent mettre en place ce qu'on appelle une révolution. Amis web téléspectateurs, vous venez de suivre l'intervention de M. Lunga Bidouni, qui fut l'un de haut placé de renseignement en RDC. Son travail était fourni, et des recherches aussi. Il est en train de se battre pour, aujourd'hui, la vérité éclate. Le général Olenga François, qui est au commandement dans l'est de la RDC aujourd'hui, pour sécuriser Goma, pour chasser les agresseurs de la RDC, mais il n'en est rien aujourd'hui par rapport aux éléments que nous venons d'avoir. Donc Olenga serait aujourd'hui, et comme Olenga vient de certifier, un collabo qui vend mère, père et fils pour son intérêt personnel. Donc il fait partie du Tutsi Power qui veulent le morcellement de la RDC. Donc, chers compatriotes, chers Congolais, ne vous fiez pas à cet homme qui passait devant nos militaires pour les encourager à aller au front. Mais c'est pour les envoyer à l'abattoir afin que tous ces Congolais-là soient liquidés et que ces Tutsis puissent occuper l'est de la RDC. Voilà ce que nous venons d'apprendre comme tragique message difficile que nous allons vivre encore des heures difficiles avec nos hommes politiques, nos hommes d'État, nos militaires qui sont voués à la cause de Tutsi. Merci à vous et à très bientôt. Je vous souhaite un bon retour en Allemagne. Vous vivez en Allemagne. Moi, je suis à Bruxelles avec vous. Nous sommes le 29 décembre 2012. J'espère que le 2013 sera une année meilleure pour le Congolais. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Une fois notre lati, est-ce que tu as choqué? Une femme est-ce pona combattre là école ya bakoko na biso pona combattre la Congo tokani ouais tokani ouais na biso da mabezalite ese commandement souda mabeza la kate ezali commandement. Commandant suprême au Kiango. Atiningae. Si qu'on a qu'on commande Bino. Yokani. Mandi Miango.
L'armée, c'est l'ordre et la discipline. Unité nyoso, ce que zangue discipline, et kokiko gagné et tumbaté. N'a fait comprendre binou que monte mort quoi faire pour défendre le Congo azalité. Kaka biso mo ban à Congo. Oyazi koya, asi na martila le kola yo. Oyazi koya, asi na munduk le kola yo. Et pourtant, na asi na mboka na ngai, na do de défendre. Bana nangai, ba maman nangai, et puis ba frère nangai. Donc je suis plus motivé que le cahier, ou y'a ni quoi occuper, pour n'a faire pour le cas. Richesse à Congo. Teokani? Ouais! Sikoyo, mon matin en camion, mon landangai kounasi. Avant tout, la se présenter. Nazali, lieutenant général Olenga François, inspecteur général et force armée à la République démocratique du Congo. Je viens d'être nommé intérimaire à la force terrestre. Donc, Ngaï Moto, Ngaï Sikoyo, pour commander Binou. La coquille, vous commandez Binou, tu es à partir à Kinshasa. Il fallait Naya. Dans nos Makingaï avant-hier, l'Obi Nazaki déjà. C'est pour dire que Nazi n'a souci à Binou. C'est-à-dire que, commandant suprême, a très soucié.
Le Mumbad, Animaki Akufa, a trahi le Congo. Vous êtes Abila, Andimi Akufa, a trahi le Congo. Bien Lingaki, Nangonyoso, Balingaki, Omo, Yamboka et Abisso. Sikoyo Bisso, j'ai bien un ami à Zuber Koboma, ma Congolais, ennemi à Zuber Priba. Richesse d'Abisso. S'approprient des matières premières comme l'or et d'autres minerais dont le sous-sol de la province regorge.